Bonjour, cher lycéen. Aujourd'hui, comme d'habitude, je viens vous provoquer à parler français. Le sujet de la leçon d'aujourd'hui est un sujet très actuel qui occupe une place importante dans la vie des jeunes, qui nous permet de transmettre et de recevoir des informations partout dans le monde, de rencontrer de nouvelles personnes, de créer de nouvelles amitiés, de communiquer avec 2 milliards de personnes qui sont très loin de chez nous, de faire des achats, de payer des additions en ligne, etc. Vous vous êtes évidemment rendu compte, nous allons parler de l'Internet. Et le sujet de notre leçon est « C'est incroyable ce qu'on peut faire en une minute ». Pour vous intriguer, je vous conseille de regarder l'infographie qui nous montre tout ce qui se passe sur Internet dans le monde en 60 secondes. Observez les principales pages ouvertes pendant la journée et les chiffres des personnes qui les ouvrent. Par exemple, 973 000 personnes se connectent dans une minute par Facebook. En Instagram, 174 000 personnes consultent leur page pendant une seconde. Ou 187 millions de personnes envoient des courriels et 25 000 GIFs sont envoyés par minute par Messenger. On poursuit avec un article de CourrierInternational.com qui nous parle des habitudes de l'utilisation de l'Internet. Internet et nous par Madame Jack. C'est incroyable ce qu'on peut faire en une minute. Nous sommes hyper connectés. Il suffit de voir ce qu'il se passe sur Internet pendant 60 secondes. Regardez, c'est complètement fou qu'on ait envoyé 187 millions d'emails en une minute. Le monde entier publie des posts, tague ses amis, se géolocalise, n'en finit pas de liker des photos, de partager, commenter et tweeter. Un doute et nous cherchons les réponses sur Google. Une pause si nous en profitons pour commander en ligne. Sur Amazon, ça ne prend que quelques secondes. En fait, nous passons notre temps libre ou occupé à surfer sur Internet. Tout en écrivant cet article, je consulte mon Facebook comme 973 000 autres personnes au même moment, afin de suivre le fil d'actualité. C'est un réflexe, mon smartphone est toujours à côté de moi. Et vous, qu'avez-vous fait pendant cette minute? Vous avez-vous reconnu dans l'article de Madame Jack? Êtes-vous aussi assez accro à l'Internet? Il est important à savoir encore que les Français sont 58 millions à utiliser Internet en 2018, sur 67 millions d'habitants. En moyenne, ils passent 4h48 minutes par jour sur leur ordinateur et 1h22 minutes sur leur smartphone. Ils utilisent Internet essentiellement pour faire des achats, des démarches administratives, écouter de la musique et lire la presse. Il est possible que certaines informations vous surprennent. Vous pouvez faire des recherches sur Internet pour vous informer sur les usages d'Internet dans notre pays. En Internet, on emploie habituellement un langage anglais. Je vous suggère regarder la liste de mots 2-0. Ce sont des mots que vous les utilisez souvent, mais ils sont en anglais. Associez-les aux mots français. Ce n'est pas très compliqué. Vérifions. Hashtag signifie un mot dièse. Playlist, c'est une liste de musique. Poster signifie publier. Un post, c'est une publication. Liker signifie aimer. Un ou une follower, c'est un ou une abonné. Sweeper, c'est faire glisser. Un selfie, c'est une autophoto. Taguer signifie étiqueter. Un smartphone, c'est un téléphone intelligent. Vidéo chatter, c'est parler en vidéo. Le web, c'est la toile. Surfer, c'est naviguer. Et un email, c'est un courriel. Bravo si vous avez réussi de cette façon. Maintenant, observez les icônes, puis écrivez les verbes d'Internet qui leur correspondent. Vérifions. Donc, première icône signifie chatter. Deuxième, c'est le signe de cliquer.
Puis, nous voyons le signe de télécharger qui est suivi de partager. En bas, nous voyons le signe de géolocaliser. Et après, le signe de commenter. Puis, suit le signe d'envoyer. Et enfin, nous avons le signe de scanner. Vous avez un document. Maintenant, je vous propose de regarder un document et dire qu'est-ce qu'il représente. Appuyez sur pause. Lisez les informations que vous voyez sur cette page du magasin en ligne et répondez quels sont les avantages d'Achateau. Alors, il s'agit de la page d'accueil d'un site d'achat en ligne. Les illustrations indiquent les différents rayons de ce supermarché virtuel. Les avantages d'Achateau, vous les voyez ici, et c'est que Achateau offre le plus grand choix d'épicerie de produits frais et bio. Il livre à domicile et le paiement est sécurisé. Donc, comme nous avons dit, on utilise Internet pas seulement pour les réseaux sociaux, mais aussi pour les achats en ligne. Avant de faire l'activité suivante, je vous attire l'attention sur le vocabulaire réuni dans les mots pour utiliser Internet. Alors, pour utiliser Internet, nous disons aller sur un site Internet, sur le web, sur un moteur de recherche, mettre un site dans ses favoris, un internaute, un cyberconsommateur, une adresse électronique, une messagerie, un mot de passe, entrer ou saisir son mot de passe, son code, cliquer sur, valider, saisir, copier, coller, enregistrer, imprimer, télécharger, lire le journal en ligne. Procédons maintenant à l'écoute du dialogue pour répondre aux deux questions. Écoutez le dialogue et dites qui appelle Delphine et pourquoi. Allô Delphine ? Oui, c'est moi. Bonjour Coralie. Oui alors, je t'appelle parce que j'en ai un peu marre de pousser mon caddie au supermarché tous les vendredis. Je sais que tu fais tes courses en ligne. Là, je suis devant mon ordinateur et je voudrais bien que tu m'expliques. Bien sûr, c'est vraiment pas compliqué. Déjà, tu vas sur le site Achatop et tu cliques sur « Inscription ». Là, tu entres tes coordonnées, nom, prénom, adresse, adresse électronique. Et là, on va te demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Tu les saisis. Alors, jusque-là, je te suis. Et après ? Alors après, tu entres dans les différents rayons. Tu verras, il y en a plusieurs. Boucherie, crèmerie, etc., etc. Une fois que tu es dans le rayon, les produits apparaissent, tu vois ? Pour mettre un produit dans ton panier, tu cliques sur le produit et sur « Ajouter dans mon panier ». D'accord. Et si je veux plusieurs bouteilles de jus de fruits, par exemple ? Eh ben, t'as un bouton « Plus » et un bouton « Moins ». Tu peux t'aider de ces boutons-là, ou alors tu cliques deux fois sur « Ajouter dans mon panier », si tu veux deux bouteilles, par exemple. D'accord. Bon, et après ? Alors, quand t'as fini, tu as un bouton « Acheter » à droite de l'écran. Tu cliques dessus. Là, on te propose plusieurs créneaux horaires, tu choisis, et voilà, le tour est joué. C'est vraiment pas sorcier. Hein. Ah oui, je te conseille aussi de mettre le site dans tes favoris, car à mon avis, tu ne pourras plus t'en passer après. Merci, je m'y mets tout de suite. Hein. Si t'as un problème, tu me rappelles. T'hésites pas, hein. Avez-vous compris qui appelle Delphine et pourquoi ? Vérifions. C'est Coralie qui appelle Delphine, pour que Delphine lui explique comment faire ses courses en ligne. Maintenant, mettez les opérations dans l'ordre en les numérotant de 1 à 9. Ce sont les opérations que Delphine a dit à Coralie de faire. Vérifions. Premièrement, il faut aller sur le site Achateau. Après, cliquez sur « Inscription ». Puis, entrez ses coordonnées et après choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Après cela, il faut aller dans un rayon, cliquer sur un produit et sur « Ajouter dans mon panier », puis cliquer sur « Acheter », choisir un créneau horaire et enfin mettre dans ses favoris. Avez-vous retenu les actions que Coralie a faites?
associez maintenant les expressions aux icônes correspondantes, car dans Internet, il est aussi bien important à reconnaître les icônes. Voyons. Mettre à la corbeille, c'est ici. Annuler et revenir en arrière. Imprimer la commande. Confirmer la commande. Entrer son nom de passe. Agrandir l'image. Ajouter au panier. Payer en mode sécurisé et enregistrer. Il arrive quelquefois qu'on fait des achats en ligne, on commande quelque chose, mais on ne reçoit pas l'article désiré ou l'article commandé n'est pas en bonne condition. Il faut alors écrire des lettres de remboursement ou un mail de réclamation. Avant de lire les mails que vous voyez, regardez-le et identifiez les interlocuteurs. Qui écrit ? À qui? Alors, c'est Coralie Baudin qui écrit à achateau.com. Pourquoi? Lisez les mails et complétez l'objet que Coralie a oublié de noter. Prenez votre temps et lisez le mail de Coralie. Vous avez réussi? C'est une demande de remboursement. Donc l'objet de la lettre, c'est une demande de remboursement et Coralie a oublié de le noter. Maintenant, relevez les passages où Coralie s'adresse au site, présente le problème et demande une réparation. Avez-vous réussi? Vérifions. L'adressation au site est: bonjour, le 16 avril dernier, j'ai fait appel à votre site pour faire mes courses. Après, Coralie présente le problème. À la livraison, j'ai constaté la détérioration de 3 articles. Un pack de lait est arrivé déchiré, une bouteille de bière était cassée et un paquet de riz était ouvert et presque vide. Enfin, c'est la demande de réparation. Étant donné que sur votre publicité, vous écrivez « satisfait » ou « remboursé », je vous prierai de bien vouloir me faire un avoir de la somme correspondante sur ma prochaine commande. Je vous en remercie à l'avance. Observez les formules de politesse employées par Coralie. « Bonjour, je vous prierai de bien vouloir me faire un avoir de la somme correspondante et je vous en remercie à l'avance. » Vous voyez que c'est un mail très poli. Pour formuler correctement une lettre de réclamation, il faut compléter ce vocabulaire et je vous propose un tableau. Soyez attentifs aux stratégies pour écrire un mail de réclamation. En tête, vous écrivez « Bonjour, madame, monsieur ». Il faut rappeler alors la date et les références du service impliqué. Le 18 mars, j'ai fait appel à, j'ai utilisé vos services pour. Je me suis adressé à, j'ai fait mes courses avec. Puis, il faut présenter le problème. J'ai constaté, j'ai le regret de vous informer qu'il manquait un article ou que le produit X était périmé ou abîmé. Ma commande a subi un dommage, une détérioration. Vous avez oublié de... Et enfin, vous demandez la réparation. Je souhaite être remboursé, dédommagé pour ce préjudice. Je vous en prie de bien vouloir me dédommager pour ce préjudice. Je voudrais en avoir sur ma prochaine commande et j'attends de vous un geste commercial. Maintenant, je vous propose de vous imaginer que vous avez acheté un objet dernier cri qui s'est révélé défectueux. Écrivez un mail de réclamation dans lequel vous rappelez les circonstances de l'achat, vous présentez le problème en relatant les conséquences désastreuses du défaut de l'appareil et vous demandez la réparation. Je vous propose un exemple. C'est un mail écrit de Jean-Luc Poussin à achateau.com. L'objet est demande de remboursement. Et le texte. Bonjour, le 8 septembre dernier, j'ai utilisé vos services pour commander un réveil bonne humeur. Cet objet m'avait semblé très astucieux, en particulièrement adapté pour ma femme
qui a des réveils très difficiles. J'avais donc décidé de le lui offrir pour son anniversaire. Or, après l'avoir testé, j'ai constaté son état défectueux. Le café était froid, le pain brûlé et la sonnerie stridente. De quoi rendre le réveil de ma femme plus difficile encore? Hors de question que je lui offre ça. Par conséquent, je vous renvoie l'appareil dont je demande le remboursement. Je vous en remercie à l'avance, Jean-Luc Poussin. Nous voilà à la fin du cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris le langage 2.0 et que vous écrirez des mails de réclamation si la qualité des produits ou des services en ligne n'est pas très bonne, car c'est le droit de tous les consommateurs de demander le remplacement d'un produit défectueux par un produit de bonne qualité. Et soin de vous et de vos proches. Bonne chance à tous. Au revoir.